بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شفر الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aujourd'hui, nous sommes le 28 de Ramadan, 9e mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi et nous sommes dimanche. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 7. 4e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir surat al-An'am. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 130. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 131. Allah disait à l'écart, « Allah m'y a qu'un rabbo kamouk l'écrit le Coran. » Non. « A'ouzou billahi minash shaitan wa'adim » ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى إذ ذلك سيكون صح. أن لم يكن ربك ton Seigneur n'était pas مهلك القرى de détruire le pays ou les cités comme ça. وأهلها غافلون. Et ces gens-là, ils sont ignorés de la loi et Allah va les détruire. Non. Avant que Allah détruise, les gens ont détruit, c'est quand on va envoyer un messager. Allah envoie un messager, quand le messager est là, il va prêcher les gens, il va les parler sur ce que Allah il veut, sur ce que Allah ne veut pas. Si ce moment-là, ils n'ont pas appliqué, c'est là que Allah va les envoyer le châtiment. C'est ça, il a dit, Zalika Allam Yakur Rabbuka, ton Seigneur n'était pas mouhli qu'il coura de détruire les cités ou le pays, mais Zulumin, à cause de l'injustice, wa ahaluha gonfiloun, les gens des pays-là, ils sont ignorés de l'affaire que Dieu les a dit. Non. Il faut qu'on va les expliquer. C'est à cause de ça, il a dit, wa laqad ba'asna fi kulli ummati rasoula, ani ibudullaha wa ijtanibu at-tagut. Nous, on a envoyé dans tous les Ummah des messagers. Le messager, il dit, les gens, adorez Allah, éloignez-vous des togouts, éloignez-vous des démons. Les messagers, c'est comme ça. Dans l'autre verset, il a dit, وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبَعَسَ رَسُولًا. Il a dit, nous, jamais, on ne va jamais châtier les gens. Il faut qu'on les envoie un prophète, un messager, un avertisseur d'abord. C'est ça Allah nous dit ici. Avant que si vous attendez que Allah détruit les cités, il a détruit certains peuples, Allah les a envoyés messagers d'abord. Il va vous avertir, ça là, ce n'est pas bon. Mais si vous continuez, et vous continuez dedans là, Allah il frappe. Mais comme ça, on ne vous a jamais averti, on ne vous a jamais rien dit, et Allah va amener un châtiment. Allah dit jamais. Il ne fait pas ça. Sans quoi il va dire Kulama uriki fi ha faujun sa alahum khazanatuha alam yatikum nasir. À chaque moment qu'on amène foule, on va les jeter dans l'enfer. Les gardiens de l'enfer vont les demander ah, mais vous là c'est comment? La vérité, un avertisseur ne vous est pas arrivé? Qalu. Ils vont dire, Bala, si, Kadija Ana Nazir, l'avertisseur nous est arrivé. Mais le problème, Fakazabna, nous, on l'a démenti. On a démenti le messager. Tu as vu, c'est ce moment que Allah a mené châtiment. T'as connu ça, il a dit, Allah ne va pas envoyer le châtiment. Il faut qu'avant qu'il va envoyer le châtiment,
il va avertir les gens d'abord. Mais s'il n'a jamais averti les gens, il n'envoie pas les châtiments. Allah facilite. Il a dit quoi? Allah dit wa likullin darajatun. Tous les deux groupes, ils ont leur degré. Tous les deux groupes, ils ont leur degré. Parmi les gens, ils ont leur degré. Parmi les djinnis, ils ont leur degré. C'est-à-dire, wa likullin darajatun. Tous les deux groupes, darajatun. Tous les deux groupes, ils ont leur degré. Ils ont dit ceux qui obéirent Allah et ceux qui désobéirent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui obéirent à Allah, ils ont leur degré. Leur degré de quoi? Récompense que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les récompenser. Comme Imam Ibn Kassir a dit, il a dit, wa li kulli amilu fi ta'atullah. Toute personne qui va obéir à Allah dans l'adoration est à son degré que Allah va lui donner. Aw ma'asiyatuhu, ou bien celui qui désobéit à Allah, lui aussi, il a son degré. Le kulmin, il a dit le kulmin darajatu. Chaque daraja, chaque degré, mimma amenu est correspondant le travail que vous avez fait. Wama rabbuka, ton Seigneur, bigor filin amma ta'amalun. Il n'est pas ignorant de tout ce que les gens font. Ça veut dire que le kiyama, il n'y a pas l'injustice. C'est ce que tu as fait, c'est comme ça que tu verras. Si tu as fait petit, on te montre ça petit. Si tu as fait ça grand aussi, on te montre ça grand. Il n'y a pas que tu es noir, il n'y a pas que tu es arabe, il n'y a pas que tu es tel. Mm-mm. Il a dit, walikulli darajatu. Chaque mérite, ça correspond mimma amilu, à la manière que vous avez œuvré. À la manière que l'homme il a œuvré, c'est comme ça que tu vas gagner ça auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, darajatu likulli darajatu, ayy likulli darajatu finnari bihasibihi. Ceux qui vont rentrer l'enfer, on va vous faire rentrer dans l'enfer équivalent de ce que vous avez fait. Ceux qui vont partir le paradis, on va leur donner paradis avec ce que tu as fait. Il a dit, « In kana khayra fa khayra, si c'est le bien, on te rend le bien. Wa in kana sharran fa sharran, si c'est le mal, on te rend aussi le mal. » Ça, c'est l'acquitté de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذ وربك ton Seigneur Allah, ton prophète Muhammad, Al-Ghani, il est Ghani, celui qui est propriétaire de tous les bonheurs. Imam Ibn Kassir a dit Al-Ghaniyu ay jami'i khalqihi min jami'il wujuhi wa hum fuqara'u ilayhi fi jami'i ahwalihim. Il dit il est satisfait de lui. C'est à cause de ça, toutes ces créatures, tous les visages, tout le monde est pauvre devant Allah. Il a besoin auprès d'Allah. Regardez dans le mois de Ramadan, combien de gens qui pleurent devant Allah. On est en train de chercher quoi? Son pardon. Mais tous ont pleuré. Tu vois quelqu'un, c'est un milliardaire. Tu vois quelqu'un, c'est un président. Tu vois quelqu'un, c'est un roi. Mais il est là la nuit en train de pleurer devant qui? Allah. Tout le monde est pauvre. Le roi, Rabbu Kalgani, c'est Allah qui est vraiment gagné. Il est satisfait. Zou Rahma. Et il est le propriétaire de tous les Rahma, tous les miséricordes. Imam Ibn Kassir dit Zou Rahma, Al-Wahoua ma azal karrahim bihim. Malgré tout ce qu'il a, il a encore miséricorde envers nous. Son miséricorde nous a entourés. Il a dit, « In yasha'a, si lui Allah, il voulait, yuzihibukum, il va nous faire partir, wa yastakhalif, et il va nous faire succéder avec certains, min ba'adikum, après votre départ, ma yasha'a kama, comme il veut. »
kama ansha'akum min zurriyati qaumi akharin, comme il a détruit certains communautés qui sont passées et il les a chargées avec certaines. Allah dit, s'il y veut, c'est nous aussi, c'est comme ça il va nous faire. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver. Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalalu. Si Allah y veut, il va nous faire partie. Yuzihibukum, il va nous nettoyer nous tous sur la terre. Wayastahalif min ba'dikum, il va nous changer avec certains. Ma'yasha ou certains que lui Allah y veut. Kama ansha'akum min zurriyatil qaum, la manière qu'il a fait changer certains comme Aharin avec un nouveau groupe. Allah détruit les gens des prophètes l'autre. Il a mené une nouvelle génération. Il a détruit prophètes, les gens des prophètes Nuh. Il a mené une génération. Si nous aussi, Allah, il peut nous changer avec certains aussi. Ça, c'est facile auprès de lui. Ça connaît ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, si il veut quelque chose, il va faire. Il a dit, il va amener certains gens qui vont travailler, ils vont lui obéir. Pourquoi Allah va nous détruire, il va détruire ces gens? Si les gens, on est là, on n'obéit pas à Allah, on ne suit pas ce que Allah y veut. Si au moins Allah y veut, il va nous nettoyer, il amène ceux qui vont lui obéir. Dans les sourates de Muhammad, il y a des passages comme ça que Allah dit. Il a dit, ha antum ha ula itud'auna litunfiku fi sabilillah. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Allah dit, c'est vous, on vous appelle de venir dépenser dans les châtiers d'Allah. Il y a parmi vous certains qui ont les moyens, mais ils font avare. Il dit, Allah, on ne te donne pas. Allah dit, وَمَنْ يَبْخَلْ, celui qui fait l'avare Allah, Allah dit, tu fais ça à toi-même, tu ne connais pas. Allah dit, c'est moi qui est le propriétaire de tous les bonheurs. Il dit, vous là, vous êtes besoinés auprès de moi. Un jour viendra, tu vas pleurer devant la porte de Allah. Allah dit, mais si vous continuez, si vous continuez à être avare, on vous dit, Allah a besoin, vous n'aide pas. Allah dit, yastabdil qawma ghayrakum. Il va vous faire partir, amener certains peuples à votre place. Et ceux-là, quand ils vont venir, sont malades, et il ne sera pas comme vous. Et quand Allah dit donne, il donne. Et Allah les bénit aussi. C'est ça qu'il parle ici. Ça coûte ça dans l'autre verset, là, dit, il y a chassé lui, nous il va nous faire partie. Ayouhanna, sur vous les gens. Wayati bi akharin. Allah va amener le dernier groupe. Il a dit, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Il a dit, lui, Allah, il est capable de tout. Lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable. Ça connaît ça dans l'autre verset, il a dit, يَا أَيُّهَا النَّاسُ, oh, vous les gens, أَنْتُمُ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ, vous êtes besoinnaires auprès de Allah. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ حَمِيدُ, Allah, c'est lui qui a tout le bonheur et tout le gloire l'appartient. Et Yeshaa, si Allah y veut, il va vous faire partie. Il va amener une nouvelle génération de création. De que Allah vous fait partie, amener une nouvelle gens, ça là auprès d'Allah, c'est quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est grave. Allah facilite. Ça peut être dit, Wallahu gani wa antu fuqara. C'est ça, il a dit, quand on chaa, zuriyatan qawmul akhari. Il va le faire partie, il va amener certains gens qu'ils seront bien. Ils ne vont pas refuser de soutenir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Allah, tout ce que Allah n'est pas fait, c'est parce qu'il ne veut pas. Mais si lui, Allah, il veut, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire. Il a fait comme ça des générations, beaucoup, qu'Allah nous pardonne. Après, quand Allah finit là-bas, et il nous dit, tout ce que lui, Allah, il a promis, ça va réaliser. Ça ne va pas durer. Et il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Auprès de lui, Allah subhanahu
وتعالى إن دي إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله دي إنما توعدون tout ce que nous Allah on vous a promis لآت ça va venir الله أكبر il dit tout ce que nous a promis ça va réaliser. Et après il a dit, quand ça va réaliser, il a dit, Wama antum bi mu'jizin, vous ne pouvez pas nous dépasser, nous Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, innama tu'aduna la'at, wama antum bi mu'jizin. Tout ce que Allah vous a promis, ça va venir et il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. Il a dit, Aïe, Ahabihum ya Muhammad. Toi, le prophète Muhammad, informe les gens. Annalazi yu'aduna minel amr il ma'adi. Les choses qu'on a promis les gens qu'un jour, nous allons mourir, Allah va nous ressusciter. Il faut le dire, cette affaire, kahinu la mahalla. Ça va réaliser, il n'y a pas de doute. Wa ma antum bi mu'jizin. Aïe, wa la ta'jizuna Allah. Bal huwa qadir ala i'adatikum. Wa in sirtum turaban. Rufatan wa izaman huwa al-qadir la yujizuhu shay'an. Il a dit Allah va ressusciter les gens qui sont morts. Il a dit ça là, ça ne dépasse pas Allah, faut pas penser Allah est capable. Il est capable de ça. Pourquoi? Il a dit bal huwa al-qadir, parce que Allah il a le pouvoir. Allah il a dit de vous rendre, de nous faire revenir dans la vie. Wa insultum turaban, même si on est devenu poussière, tous les gens qu'on les a enterrés sont devenus poussière. Les rois sont devenus pourris. On ne sait même pas là où les intérêts. Allah dit il va les faire sortir. Tout le monde va devenir comme être humain. Il a dit quoi dire? Parce que lui a le pouvoir. Là où il n'y a pas quelque chose qui dépasse Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous facilite. Il a dit quoi? قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الذي كل البروفيت ديكلار يا قوم اعملوا او فوم بيبل افري على مكانتكم اصوتر مانيير Inni amil. Moi aussi, prophète Mohammed, je veux œuvrer à ma manière. Façon fata alamoun, mais bientôt tout le monde vous saura. Bientôt vous saura. Mantakoun lahu akibatunda. Bon avenir là, ça sera à la côté de qui? C'est nous qui avons obéi à Allah qui vont finir bon, ou bien c'est vous qui avez désobéi à Allah qui va finir bien. Nous verrons. Innahu la yuflihu zalimoun. Certes, auprès d'Allah, les injustes ne gagnent jamais la paix. Tu as vu ici, quand le Dawa est parti, c'est arrivé un moment que les gens n'écoutent pas le prophète Mohammed. Allah dit, je vais, il faut les avertir pour la dernière fois. Dis-le, qu'il y a comme ouvre mes peuples. Et il m'a loué à la makaratikum. Et vrai, la manière qu'on voudrait. Il a dit, aïe, estimerare à la tariqatikum, wa nahiyatikum. In kuntum tazununa annakum ala l'huda, fa ana mustamir à la tariqati. Il a dit, travaillez. Si vous pensez que dans la voie que vous êtes là, c'est ça qui va vous sauver devant Allah et Malakiyam, continuez. Mais moi, je suis là sur la route que Dieu m'a envoyée. Et bientôt, nous serons. L'avenir va donner raison à qui? Allah dit, les injustes, ils ne seront jamais al-fala. Ils ne vont jamais gagner le bonheur. Certains savants disent, bonheur ici, quand il dit les injustes ne gagnent pas ça, c'est après la mort. Que Allah nous préserve. Naam. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم
ساء ما يحكمون. الذي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا. Les mécréants, mais quoi? Ja'alou lillah. Ils ont partagé avec Allah. Mimma zara. Tout ce qu'ils ont planté. Min al-harsi dal cultivation. Wal an'am avec les animaux qu'ils ont élevés. Nasiban. Ils ont partagé part. Ils ont donné un part à Allah. Et ils ont donné un part à leur divinité. Les idoles. Les mais quoi? Les associateurs, mais quoi? Les plantations qu'ils ont faites, ils partagent ça d'eux. Leur élevage, ils partagent ça d'eux. Ils disent ça là, c'est pour Allah. Ça, c'est pour les idoles. Ça là, c'est pour Allah. Ça, c'est pour les idoles. Fakalu, ils ont dit, Haza lillahi bizamihim. Ils ont dit ça là, ça, c'est pour Allah, dans leur pensée. Wa haza li shurakaina. Ça là, c'est pour nos divinités. Allah dit, فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Pourquoi ce qui est pour leurs idoles là, ça ne peut pas revenir auprès de Allah. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Mais pour Allah, peut aller à côté de leurs idoles. Allah dit ça à ma yakumun. Ça, leur jugement là, ce n'est pas acquitté. Ça, c'est mauvais jugement. C'est-à-dire, les animaux. Si ils ont les animaux, prenez exemple comme 20 moutons. Ils enlèvent 10, ils disent ça c'est pour Allah. On va les élever. Ça c'est pour les idoles. On va tous les élever. Mais ils ne sont pas pareils. Si pour Allah là, il y a un mouton qui est sorti, il vient dans le mouton des idoles. Il dit c'est fini, ça c'est pour les idoles. Il bloque ça. On ne fait pas retrouver ça pour Allah. Mais si c'est pour elle, elle qui est partie dans le groupe d'Allah, on le fait retourner encore dans le groupe de l'idole. Ici là, ils ont respecté Allah bien, ils ont minimisé Allah. Ils ont minimisé, ils ont considéré les idoles par rapport à qui? Allah. Parce qu'ils sont là pour protéger les parts de qui? Les idoles. Et ils négligent les parts de qui? Allah. C'est ça, Allah dit, فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسِنُوا. Pourquoi pour les idoles là, ne peut pas venir auprès d'Allah? Mais pour Allah peut aller dans les idoles. Allah dit ça, ça c'est mauvais jugement. Ça c'est mauvais jugement. Ça là, c'est pour respecter les idoles par rapport à qui? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous pardonne. Il a dit quoi? وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الذي وكذلك سيكونسا زينا كثير من المشركين للديابلي أمبيلي pour les beaucoup des associateurs. Il les a trompés, embellés, mauvais travail. Quel travail? قتل أولادهم. Le diable les a embellés jusqu'à il leur recommande de tuer leurs enfants. شركاءهم pour donner les idoles. Allah dit liyardouhum. Il a fait ça pour les tromper. Waliyalbisou alayhim. Il a fait ça pour les embrouiller. Dinouhum, leur adoration. Allah dit walausha Allah. Si lui, Allah, il voulait, ma fa'alouhu. Cela ne pouvait faire les arriver. Mais Allah dit fazarhum, laissez-les. Wama yeftaroun, avec leur mensonge qu'ils sont en train de mentir. Shaitan a trompé les mécois en disant qu'une fille n'est pas aucun valeur. C'est à cause de ça, si quelqu'un il a gagné une fille, il est tué. Et il a tué. Mais ce n'est pas poison. Hein? Il ne la donne pas poison de mourir, non. Il part creuser le trou. Et il va l'enterrer vivante. Elle va crier jusqu'à elle va mourir. C'est comme ça les Arabes étaient. C'est comme ça Shaitan les a embellés mauvais travail.
pour leur dire que la femme n'est pas aucun bonheur. Une femme ne peut pas sortir la guerre. Et encore leur temps, quand tu veux marier la femme, c'est toi, la femme, qui doit doter l'homme. C'est l'islam qui a venu et l'islam a dit, c'est l'homme qui doit doter la femme. Aujourd'hui, jusqu'à la Sahara, Inde, que vous voyez là, c'est la femme qui dote l'homme. C'est la femme qui donne l'homme. Ça connaît ça, Allah nous dit dans le passage, Wa iza bushra ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min as-su'i ma bushra bi ayumsikuhu ala huni aw yadsu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah dit, si on vient annoncer un d'eux que ta femme vient d'accoucher, il demande c'est quel sexe. Vous savez, leur temps, ce n'est pas notre temps. Nous, notre temps, Allah nous a facilité. Si ta femme engrosse, tu peux connaître le sexe qu'elle va accoucher. Or, l'islam aussi, dans ce n'est pas haram. Mais leur temps, ce n'était pas comme ça. Ils vont demander c'est quel sexe. C'est quel sexe. Si on dit ta femme a accouché une fille, Allah dit zon la wajuhuhu muswaddan. Il serre le visage en colère. Il est en colère. Pourquoi? Il cache les gens. Il cache les gens. Il cache les gens. Le malheur, le nouvel malheur qu'on vient lui donner. Leur temps, quand on lui donne que ta femme a couché une femme, c'est malheur nouvel qu'on t'a amené. Aujourd'hui, c'est l'islam qui a nettoyé. Il a dit, l'Illahi mulku samawat wal ard yahluku ma yasha yahabu liman yasha u inasa wa yahabu liman yasha u zukur au yuzawujuhum u zukurana wa inasa wa yaja'al man yasha u akima innahu alimul qadir. Allah, quand l'islam est venu, il a dit, le pouvoir de ceux la terre m'appartient, je fais ma création comme ça me plaît. Celui que je veux, je lui donne, il fait seulement que des femmes, des filles. Celui que je veux, je lui donne, il fait seulement que des garçons. Celui que ça me plaît aussi, je veux lui mélanger tantôt les filles, tantôt les garçons. Celle que ça me plaît aussi, je veux la rendre stérile, elle ne fait pas l'enfant. Allah dit, c'est dans ma main. Qu'Allah le facilite. Les Arabes, c'était comme ça. C'est ça, Allah dit, « Wakaza alika », c'est comme ça. « Zayyana lahum kassiru min al-mushrikin. »« Shaitan a embellé beaucoup des associateurs. »« Qatra awladikim shuraka'uhum. » Ils tuent les enfants à cause de leurs associations. « Liyarduhum » pour les tromper. « Wal yalbisu alayhim dinahum » pour les embrouiller leur adoration. « Walau sha' Allah » si Allah voulait, « Ma fa'aluhu » ils ne devaient pas commis les actes comme ça. Fazaruhum wa ma yaftarun. Laissez-les sur ce qu'ils sont en train de faire comme des péchés. Ils sont en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Wa qalu hadhihi al'amu wa harsan hijran la yad'anuha illa man nasha'u bizahmiyyat. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام قدمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا إذن هذه الأنعام cet animal que vous voyez وحرس avec cette plantation خجر c'est haram لا يطعمها personne ne doit pas manger ça إلا ما نشاء بزعمه sauf celui que nous on a distingué dans leur passé وأنعام cet animal aussi حرمت ظهورها on les a interdits ils ont interdit personne ne doit pas les monter et ils sont sacré.
وأنعام سيتين أنيمال وسي لا يذكر اسم الله عليها. On ne le va pas appeler le nom d'Allah pour mentir sur Allah. Allah dit, il n'y a pas de problème. Ça n'a dit, nous aussi, on va les rendre les mauvaises actions qu'ils ont fait. Bima kanu yaftaru. Nous allons les rendre textuellement mensonges qu'ils ont menti sur moi. C'est-à-dire, c'est les associateurs, quoi. Ils enlèvent les animaux avec les plantations. Tu as vu l'autre côté, ils ont partagé en deux, non? Ici, ils ont dit, cet animal, avec cette plantation, Hijr, soit dit Hijr, aïe, haram. Haram pourquoi? Là, il y a ta'amouha, personne ne mange pas l'animal. Plantation là aussi qu'on a levé, personne ne va pas manger. Il la mange cha'ou, mes amis. Sauf celui que nos idoles a désigné. Aujourd'hui, il y a le coutume là, dans la fosse afrique. Vous allez attendre que les gens, ils ont fait les chants, ils ont dit, il y a cérémonie de nourriture là d'abord avant qu'ils vont manger. Il y a ça. Certains, même chaque année, ils font les fêtes de nourriture là d'abord avant qu'ils vont manger. Tout ça là, c'est depuis là-bas qu'ils sont sortis. Ils vont dire c'est haram. C'est-à-dire c'est haram. Mais quand il dit ce que le viseur a désigné, il faut allusion à qui? C'est un idole de manque. Quand il s'est pris idole là, qui mange? C'est celui qui se fait idole qui mange. C'est comme tu prends chez Marabou Ganga, il va te dire, il a fétiché, dit, ça te faut coque blanc. Coque blanc, ensuite tu as mis ça fini où? C'est dans le marmite. Qui va manger? C'est lui-même Ganga là qui va manger. Hein? Est-ce qu'un idole mange? Tout ça là, c'est pour t'embrouiller. Si on dit coque blanc, coque rouge, coque quoi là, tout c'est l'embrouillé. Coque blanc, coque rouge, même viande. Mais c'est Shaitan qui amène tout ça là. À la facilité. Deuxième, ils ont dit, wa an'amun, cet animal, elle est sacrée. On ne le monte pas. Si c'est chameau, personne ne le monte pas. On ne lui met pas bagage sur lui. Ils l'ont pris comme divinité, comme Inde. Il y a les gens qui adorent les vaches. Hein? C'est à cause de ça, c'est ça qui a éclaté la guerre entre les hindous avec les musulmans hindous. Jusqu'à aujourd'hui que je parle là, premier ministre de Inde, il est en train de faire, on veut arracher toute nationalité des musulmans indiens. Ils ne sont plus les indiens. Toute personne qui est musulman indien, on veut les arracher nationalité. Que on ne connaît pas l'islam dans les Indes. Et ils sont des bouddhistes. Pourquoi? Quand ça arrive la fête, bon vient de la fête, c'est quoi? Le bœuf. Est-ce que aussi le bœuf, c'est leur Dieu? Musulmans, bien, si c'est votre Dieu, nous sommes notre marmite. Est-ce que vous comprenez le problème qu'il y a là? La grande fête arrive, musulmans lui a fait adorer Allah avec ça. Et ils ont dit non, et ils sont en train de tuer leur Dieu. Bon, et si question, si ton Dieu est un vrai Dieu, comment on peut tuer Dieu? Le Dieu que nous adorons, la personne va le tuer. Abadel. Le Dieu que nous avons là, personne ne peut pas nous toucher. Abadel. Subhanahu. Votre Dieu, c'est parce que votre Dieu est faux. On l'a tué. Cette histoire que je viens vous parler, beaucoup de musulmans ne se connaissent pas. Il y a deux pays, il y a trois pays dans les dunya. La manière qu'on fait les musulmans là-bas, ça dépend ce que les Yéhoudis sont en train de faire Palestine. Premièrement, Chine. Chine, il y a une ville, c'est pour musulmans seulement. Tous, on les a mis en prison. Chine que vous voyez là. La manière qu'on torture les musulmans là-bas, ça là seulement qui connaît. Deuxième pays, Birmanie. C'est une ville. On appelle Birmanie. Là-bas, on attrape les musulmans comme ça, on les fait pour les couper. Birmanie. La manière qu'on torture les musulmans, c'est pas bon.
Troisième pays, c'est Inde. Vous savez, Inde, il a les frontières avec Pakistan. Et au milieu, on l'appelle Cachemire. Là-bas, c'est les musulmans. Allah Akbar. Tout dernier, information que je parle, sans en train de marcher, l'Amérique a déjà mis la main là-dessus. L'Amérique a soutenu le premier ministre Inde. On va arracher la nationalité pour les musulmans. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas la situation. Je vais vous donner un exemple, comme ici au Gabon. Voilà un Gabonais, il est musulman. Mais comme ils sont minorités, il dit que non, il ne veut pas islam ici. Pour cela, tout Gabonais qui est musulman, on va arracher la nationalité, il n'est plus Gabonais. Et or, il y a certains qui soutiennent ça. Or, que Gabonais doit être Gabonais, ce n'est pas quelqu'un qui l'a rendu Gabonais, c'est nous qui l'a rendu Gabonais. Nationalité qu'on parle, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui veut et toi tu es devenu Gabonais. C'est Dieu qui veut toi tu es devenu Malien. C'est Dieu qui veut toi tu es devenu Sénégalais, Béninois, Camerounais. C'est dans la volonté de Dieu qu'il a partagé comme ça. اختلاف على سنتكم وعنوانكم إن في ذلك لآيات من عالمون. Alors il s'est donné vouloir que j'ai fait, vous êtes le temps différemment et parler différemment et la santé différemment. Alors il s'est là, c'est une aya. Si qui montre, mais c'est ceux qui ont la connaissance qui comprennent ça. Donc, c'est ici que c'est commencé. Ils vont dire cet animal, on a interdit, on ne lui pose rien là-dessus. Et c'est un animal aussi. Et c'est un animal aussi. Et bon dit, on ne doit pas prononcer le nom de Allah. La yaskuruna isma la alayha. Aïe, wala fi sha'ani, wala min sha'anihi. Illa an yakuna rakibu wala in habalu. Il a dit, c'est un autre animal aussi. On ne va pas prononcer le nom de Allah sur ça. Allah dit iftara Allah, tous ces mensonges, c'est pas Allah qui a dit. Allah dit sayajizi himimakan yiftaru. Nous, on va les rendre leurs mensonges qui sont en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est ça que vous avez vu. C'est ça que c'est resté un peu jusqu'à maintenant. Vous allez voir certains, on dit non. Si on veut faire doua, ça demande telle couleur d'animal. Il n'y a pas ça dans l'islam. Si on veut faire doua, on veut bonheur, c'est mouton blanc. Si c'est problème qu'il y a là, grand problème, c'est mouton rouge. Si c'est malheur qui est tombé, on va chercher ça, mouton noir. Tu as vu tout ça, là, c'est chirique. Il n'y a pas ça dans l'islam. Si vous avez un problème, on peut égorger, on peut faire doua ou égorger normalement, ce n'est pas haram. Mais il n'y a pas l'affaire des couleurs. Le moment qu'on dit il faut ça là, on va poser la question, qui a dit il faut ça? Qui a dit? Parce que pour que vous allez faire doua, c'est adoration, non? Sacrifice aussi c'est l'adoration. Personne n'est pas droit de poser, sauf Allah et son prophète. Ça fait ça, le moment que le prophète Moussa, il a dit ces gens, il Allah et Yamurukum Antazbahu Bakara. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Atatahizun Ahuzwa, tu veux monter avec nous? Kala Auzu Billahi An Akuna Mina Jahi, il a dit, oh, que Dieu me plaise d'être un ignorant, je veux jouer dans l'affaire de Allah. C'est là qu'ils ont dit, Kol, Idu Ulana Rabbaka Yubayil Namahi. Demande à Allah une carte de ce qu'un animal. Voilà, il n'a pas eu le il n'a pas eu la faride, voilà, bikrun, awanum bayna zalika faf'alu ma tumarun. Un animal, il n'est pas vieil, il n'est pas fille aussi, il est humilié. Faisons ce que Allah vous a dit, ne cherchez pas question, ils ont dit, idu ulana rabbaka yubayinana ma lawluha. Faut demander à Allah, ton Allah, rabbaka. Il n'a pas dit rabbuna, idu ulana rabbaka. Ça c'est où? Il dit demande-toi à Allah. Il a dit animal là, c'est quelle couleur?
Alors qu'on parle de vaches. Regardez maintenant, elle a compliqué la situation. C'est là qu'elle a dit Innahu yakulu innaha bakaratu safra fa kekul launuha tasur nazri. Vous avez demandé couleur. Elle a dit oui, c'est vache couleur jaune. Mais couleur jaune qui tire le regard. N'importe où il est, tout le monde le voit. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez vu couleur jaune vache? Ils ont demandé à Allah d'amener-moi couleur jaune vache. Si ce n'est pas Allah qui a parlé dans le Coran, personne ne connaît pas qu'il y a couleur vache et jaune. Vache couleur jaune, il n'y a pas. Mais quand le Coran a parlé, et nous tous on a su que c'est elle. Comme c'est Allah qui a dit ici couleur jaune, tu as vu, c'est devenu quoi? Ibada. Si quelqu'un veut sacrifice de mouton, et il a dit, moi je veux payer mouton bélier blanc qui a les pieds noirs, à côté des yeux il y a noir, c'est Ibada. Parce que c'est comme ça que le prophète a payé pour faire des sacrifices. Est-ce que les gens nous suivent bien? Mais en dehors de ce qui est venu dans le Coran ou Sunna, on dit, un marabout nous a dit, cette gloire-là, il faut mouton rouille. Ça, c'est shirk. Duel, on a tué un animal lourd. On n'a pas tué un animal lourd. Si on a fait duel, Allah va accepter dans ce temps. Si on a dit, il faut qu'on va égorger un animal avant qu'Allah va accepter duel. Le pauvre qui n'a pas l'argent pour payer l'animal, lui, s'il va faire duel, il ne fait pas. Or, qu'Allah dit, et de où on y a stagé le loco. C'est à cause de ça, quand vous voyez les gens vous faire duel, les gens font tout ça là, c'est pour vous faire peur seulement. Ça ne parle ni pas. Doigt ou seulement, c'est pour demander à la c'est tout. J'ai encore ça, les gens, ils ont mis, il y a Yassine blanc, il y a Yassine rouge, il y a Yassine couleur. Différent, différent. Qualité, qualité de Yassine. Tout ça, la main en zone là. C'est la manière que les associateurs, à l'époque, ils ont fait, comme on vient de parler ici. C'est comme ça que ça continue. Que Dieu nous préserve. Wakalu. Wakalu ma fi batouni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala aswadina wa in yakun maytatan fa hum fihi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Wakalu, ils ont dit encore les associateurs là. Ils ont dit, cet animal qui a la grossesse dans son ventre là. C'est les hommes seulement qui vont manger ça. Les femmes ne mangent pas. Mais si il a mis l'enfant là au monde, l'enfant là est déjà mort. Fahum fi hishuraka. Là, les hommes, les femmes peuvent mélanger pour manger ça. Mais le moment qu'il est en bon normal, c'est les hommes seulement qui vont manger, c'est interdit sur les femmes. Allah dit ça aussi, c'est mensonge. C'est Yézi qui was femme. Allah dit, nous allons les punir sur leur, la manière qu'il vient de déclarer ça. Et Nahu Hakim, c'est Allah qui est le plus sage, Ali, celui qui est le plus connaisseur. Allah dit, voilà, c'est fou. Voilà, c'est fou. Allah dit, c'est comme un kaziba. Haza halalu wa haza haramu litaftaru ala Allahi kazib innal ladhina yaftaruna ala Allahi kazib la yuflihun. Allah dit, ne prenez pas votre parole mensongère de dire que ça c'est halal, de dire ça c'est haram pour mentir sur Allah. Allah dit, ceux qui mentent sur Allah ne vont jamais être repos. Que Dieu nous préserve. Naam. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الذي قد أن vérité خسر الذين قتلوا أولادهم الذي ceux là qui ont tué leurs enfants là. Ils sont tombés faillite, hasir. Quand ils ont auladakum safan, ils ont tué leurs enfants safahan à cause de l'ignorance. Bigayr ilm, sans aucune connaissance. Si ce n'est pas l'ignorance, comment quelqu'un prend sa fille
amener sa fille en brousse, aller creuser le trou. Il met la fille dedans, il ferme. La fille en train de crier papa, 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 jusqu'à celui. Si ce n'est pas l'ignorance, qui va faire ça? Allah dit wa haramu ma razaqahumullah. C'est ce que Allah les a donné comme halal. Ils ont transformé ça que c'est haram. Les filles qu'Allah a donné, c'est halal. Mais vous, vous les tuez, qu'ils ne voient rien. Que la fille ne voit rien. Allah dit iftara ala Allah. Tout ça là, c'est pour mentir sur Allah. Allah dit qaddalu. Certes, ils sont égarés. Wa ma kanu muhtadin. Ils ne sont pas parmi ceux que nous, Allah, on a guidés. Ils ne sont pas parmi ceux-là que nous, on a guidé. Allah facilite nous. C'est ça qu'on vient de vous parler. Un jour, il y a certains sahaba qui sont dans la mosquée après la prière et sont en train de causer. Il y a un qui a mené une histoire, vraiment l'histoire a touché le cœur de tout le monde jusqu'à le prophète a coulé là. Parce qu'après la prière de Soubri, quand il finit, un moment, il reste dans la mosquée pour causer autant de jahiliya. L'autre est en train de dire, les autres disent, ah, moi, avant que je devienne musulman, j'avais ma fille. Un jour, j'ai dit, sa maman n'est qu'à la laver, n'est qu'à bien l'habiller. Je ne l'ai plus, je l'ai amené en brousse. Je causais le trou. Jusqu'à même, il y avait les sables qui touchent mes barbes. Vous savez, ils ont des barbes. C'est elle qui nettoie. Il dit, papa, sable, sable. Alors que c'est elle que je vais enterrer vivante. Quand j'ai creusé fini, je l'ai poussée, elle est tombée dedans. J'ai commencé à mettre le sable. Elle est en train de crier, papa, papa, papa. Jusqu'à après, j'ai pris la route, je suis venu là. C'est tombé dans les oreilles des prophètes. Le prophète a commencé à pleurer. Le prophète a dit, toi, si c'est pas que quelqu'un, s'il a slavisé tout ce qu'il a fait, Dieu l'a pardonné. Soit on devait te juger. Mais il a fait ça au temps de l'ignorance. Aujourd'hui, il est devenu musulman. Al-Islam, il y a djoubou le makabla. L'islam nettoie tous les désordres que tu as fait avant, après, avant l'islam. Koufou, là, c'était comme ça hier. Tu veux retourner là-bas encore? Tu veux retenir là-bas. Avant l'arrivée de l'islam, c'est le plus fort qui commande. C'est le plus fort. Ce moment, c'est l'épée qui parle. Le plus faible n'est pas des choses. L'esclave ne va pas sans droit. C'est l'épée qui parle. Quand tu as la force, tu peux aller attaquer le village, arracher les biens, prendre les femmes des gens. Tuez-les comme tu veux. Quand l'islam est venu, Allah dit non, ce n'est pas comme ça. La terre est trop sale. Je vais envoyer Mohammed venir mettre la loi. C'est à cause de ça, vous voyez le Coran, quand on lit, un moment, le Coran nous dit ça c'est haram, ne faisait pas. Ça c'est halal, ne faisait pas. Un moment, le Coran nous dit ça. Tu as vu aujourd'hui tout le qu'on vient de lire là. Allah ne s'adresse pas, il nous parle ce qui était avant. Comment les gens associent Allah? Il dit ça c'est pour Allah, ça c'est pour l'idole, ça c'est pour comme ça, ça c'est tout ça là pour mentir sur Allah, pour venir nous dire que notre islam là, on ne fait pas ça avec les pensées, on fait ça avec les textes. Qala Allahu, qala Rasulullah. Même si tu as imaginé, tu penses que c'est bien, tant que Allah n'est pas dit, le prophète n'est pas dit, ça, on ne met pas ça dans l'islam. Ali ibn Abi Talib, il a dit, si l'islam c'était une imagination, moi je devais changer quelque chose dans l'islam. On l'a dit quoi? Il a dit la manière que si quelqu'un a porté le khouf, il va nettoyer. Si on dit khouf, il y a les chaussettes. Chez les Arabes, on fait ça avec le pot. On met les pieds, on appelle ça khouf. Chez nous, si c'est remplacer les chaussettes. Quand tu as fait l'admission matin et tu as mis chaussettes, toi qui es résident, tu es un résident, tu n'es pas voyageur, on te donne 24 heures du temps.
le matin jusqu'à le coucher de soleil. Mais toi qui es voyageur, toi on te donne 3 jours. Et toi qui es résident, on te donne 1 jour. Allez, voilà. Là. Mais celui qui est voyageur, lui, il a combien de jours? 3 jours. Toi qui es résident, 1 jour, tu as porté sur cette terre, tu as fait la mission matin, tu as porté. Après, si toi la mission est gaspillée, tu veux faire la mission, tu n'enlèves plus sur cette. Tu fais la mission, arrivé au niveau des pieds, là, tu vas effacer sous le pied. On efface comme ça. Suyez là-dessus, c'est fini. Tu parles, puis Allah va accepter. C'est là qu'Allah lui a dit, si c'est que l'islam a sa imagination, les pieds de l'homme, c'est ici qu'il touche au sol, bien c'est en bas. C'est en bas. Mais pourquoi le prophète a dit, c'est ici qu'on va effacer, pas en bas. Allah a dit, si c'était imagination, moi je pensais que c'est en bas qu'on devait nettoyer. On laisse en haut. Mais il a dit, le prophète n'est pas nettoyé en bas. Il va nettoyer en haut. Maintenant, c'est toi. Tu dis que tu fais la mission et tu as nettoyé ici. Tu viens prier. Tu as la prière, tu n'as pas la prière. Tu n'as pas la prière. Vous voyez là où l'islam, c'est danger. Voilà là où l'islam, c'est danger. Tu n'as pas la prière. Vous voyez? C'est ça ici, il nous dit, quand Hassera l'azine, quand elle est au lada, certes, ceux-là qui ont tué leurs enfants, Hassera, ils sont tombés dans le faillite. Quand elle est au lada, ils ont tué leurs enfants, Safahan, à cause de l'ignorance, ils n'ont pas la connaissance. Waharramu ma razakahumullah, ils se sont interdits sur les personnes ce que Dieu les a donné comme elle est licite. Iftira Allah, tout ça, c'est mensonge sur Allah. Allah dit Kodolou, certes, ils sont égarés. Kodolou, ils sont égarés. Comme à Kenou Mourtadine. Et ils ne sont pas parmi les gens qui sont guidés. Ils sont égarés dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est le verset 140 pile de Surat al-An'am. Et je pense que cette année, c'est là que notre tafsir va s'arrêter, Inch'Allah. Si Allah nous donne longévité, on est vivant, on n'est pas mort. Nouvelle Ramadan, Inch'Allah. Subhanahu wa ta'ala, si on est là, là, c'est là qu'on va quitter. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushat. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.